Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hearthstone. Aujourd'hui, comme de coutume, on va un petit peu se lancer dans le bain. Hein, dans le bain. On va retenter cette petite partie, hein, même si ici il m'a compté une victoire, alors que pour moi je méritais absolument pas cette victoire. Si vous vous souvenez, lors du dernier épisode, le dernier combat que j'avais fait, l'adversaire avait directement capitulé. Bon, chose que j'apprécie, hein, ceci dit, une victoire est une victoire, peu importe comment elle est acquise. Mais là, pour le coup, j'aurais quand même aimé le combattre. Ça m'aurait fait plaisir. Ça m'aurait fait plaisir. Mais bon, on va faire ça. Alors, on tombe face à un chasseur. Les Hunt, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Non, vraiment pas. C'est une bonne main. Les Hunt, c'est vraiment, vraiment pas ma tasse de thé. Si je pouvais faire sans les Hunt, je ferais sans les Hunt. Malheureusement, ici, si je capitule, il commence déjà à me casser les couilles. Créature au premier tour. Allez, moi, je veux juste... Bleh. Voilà. Alors, râle d'agonie. Ajoute une carte bête aléatoire à votre main. Est-ce que je lui donne... Non. Ce serait trop beau. Ce serait trop beau, ce serait trop beau. Alors, vous voyez, comme je vous disais dans l'épisode précédent, je me retrouve déjà avec deux esprits divins. Deux esprits divins. Donc, enfin moi, ma tactique, personnellement, elle va toute seule. Sympathique. Elles ont tous les deux un râle d'agonie. Invoque deux araignées spectrales. Quitte à en détruire une, je préfère détruire celle-là. Non, je suis déjà un peu mal parti. Alors, peut-être que le fait d'avoir... Mon champion de la flamme là, ou je sais pas trop comment il s'appelle, mon serviteur de la flamme je pense, le dissuadera de faire une quelconque attaque. Et si je peux lui mettre un 36-36, pourquoi pas, hein, clairement pourquoi pas. Maintenant faut voir si c'est faisable, hein. Faut voir si c'est clairement faisable, parce que si c'est pas faisable, ça va être un peu délicat si c'est pas faisable, quoi. J'avais aucun secret, donc ça ne pose pas le problème. Hein. Pour Naz Jatta. Bon, ici, si je peux la mettre à 7, ça fait 7, 14, 14, 28 au prochain tour. Ah oui, non, mais ça ferait... Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, effectivement. Effectively, j'y avais pas pensé à ça. Alors, il me met une guinse pour le moment. Chaque fois qu'un secret allié est révélé, il gagne plus en durabilité. C'est con, parce que c'est pas un jeu à secret, donc... Logique. C'est logique. C'est vache, mais c'est logique. Normalement, en un seul tour, il y a moyen de le faire. Mais pff, c'est compliqué. Hein.
C'est juste pour la pioche de cartes en fait, je pense. Hop là, secret, le détruire. Non, ça je vais pas le jouer maintenant. Il n'empêche qu'il pourra quand même pas le détruire sauf s'il veut se faire des dégâts. Il va être obligé de se faire des dégâts. Voilà. C'est plutôt cocasse hein, comme partie. Ça, franchement, sur un prêtre, ça servait pas à grand chose. Non, clairement. Clairement, ça servait pas à grand chose. En fait, vous allez voir qu'il va me le looter à la fin de la partie. La créature dont j'ai besoin, je vais la recevoir en fin de partie. Allez, attaque-moi! Non, monsieur ne veut pas attaquer. Bon, bah... J'ai pas de créature, donc je sais rien faire. Hein. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une petite montagne là? Waouh! Une 1-1 dorée qui devient une 3-3. Oh putain! Non, sérieusement. T'en as d'autres des coups foireux ainsi? Bon. Quitte à devoir l'utiliser. Bon! J'ai absolument pas les cartes que j'aurais voulu. Voilà, maintenant il peut essayer. Maintenant, clairement, il peut essayer. Il n'y aura aucun problème. Et là, pour me la tuer, il va falloir qu'il y aille. À moins que... Ah putain, la rage! Bien joué. C'est les risques du métier. Ah putain, claquer ça pour ça quoi. Oh.
Bien joué. Là, pour le coup, j'ai un peu merdé. Je m'y attendais absolument pas. Et il a sorti la carte au bon moment. Clairement, là, c'est vraiment ma faute, là. Là, c'est clairement ma faute. Ah là, oui, non, mais là, y a aucune, j'ai même aucune excuse. C'est clairement et clairement uniquement ma faute. Ah oui, non, mais non, mais non. Ah oui, non, 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 non. C'est clairement uniquement ma faute. Ah oui, non, je pouvais pas faire. Honnêtement, là, y avait moyen de faire mieux, quoi. Il y a vraiment moyen de faire mieux, et j'ai pas fait mieux. MacGyver. Nous apportera la victoire. Alors bon, ça, ces trois-là, on va les jarter. Bon, au moins j'ai une que je voulais. Mais j'ai pas de 1-1. Salutations. Sortez vos corps. Là, je sais pas pourquoi j'ai joué mon. Ma. Non, je sais pas pourquoi j'ai joué ma pièce. Oula, c'est la fatigue ça. C'est absolument pas pourquoi j'ai joué cette carte. C'est du bon ça! Léon qui joue avec les trucs à secret quoi. Ok, comme tu le sens. C'est pas ce que je recherchais, mais on va dire que c'est pas trop mal. On va dire que c'est pas trop mal. Pas exactement ce que je recherchais. Oh là, si je pouvais doubler, si je pouvais avoir la carte dont j'ai besoin, doubler ses points de vie. Qu'est-ce que j'ai, c'est bon. Nice, thank you. Ouais, là, va falloir que je me sauve un peu le cul. Je sais pas me sauver le cul. Travail terminé. Bien joué.
Décidément, je compte trop sur cet enchaînement. Je compte beaucoup trop sur cet enchaînement. Je me suis fait avoir comme un bleu d'ailleurs. Ça commence un petit peu à m'énerver là. Trop de défaites d'affilée. Trop de défaites d'affilée, je vous le dis, trop de défaites d'affilée. Et à ce rythme-là, je pourrais même jamais finir mes quêtes. Ah bah non. À ce rythme-là. Anduin contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. La lumière vous brûlera. Anduin versus Anduin. This is Anduin versus Anduin. Bonjour. Salutations. Quelqu'un est blessé. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout de suite. Travail terminé. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Tout de suite. C'est ça quoi. Si tu me donnes des cartes aussi. Avec celui-là, je vais pas vraiment oser le faire. Tout de suite. Accueillez le vide. Stalag, écrasez-toi. Ah, c'est con, je l'aurais mis à celui-là. Où est celui-là? Bien joué. Ça, c'est une belle victoire. Bien propre. Voilà! Voilà! Ça, c'est une victoire propre, ça! Ça, c'est une victoire propre! Ah bah putain! Enfin, dit. Ça, c'est une victoire propre. Ça, c'est une victoire comme je les aime, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une victoire comme je les aime, ça. Tu vas voir, toi. Une victoire comme je les aime, moi. Putain.
Putain. Ça, c'est une victoire comme je les aime. Tiens. Bon, sur cette belle victoire, prenez soin de vous. Faites bien les geeks. Salut à tous.